près de la place de la Bastille. Oui, on peut dire qu'il y a eu en fait deux manifestations. Jusqu'à 5 heures, François Gault vous l'a dit, tout était calme. Puis la manifestation a pris un autre visage, un visage plus jeune, mais aussi plus agressif. Vous voyez, un premier pavé est parti de la manifestation, puis d'autres. Les forces de police répliquaient en lançant des grenades lacrymogènes. Et nous retrouvons des scènes oubliées depuis 2 ans. La place de la Bastille a été rapidement dégagée, mais plus loin, des heurts se produisaient boulevard Beaumarchais. Rue du Pas de la Mule, les anarchistes avaient dressé une petite barricade. Une autre avait été dressée place des Vosges. À l'heure actuelle, le calme n'est pas totalement revenu. Il y aurait une centaine d'arrestations. Vous voyez ici, nous avons réussi à pénétrer du côté des ultra-gauchistes, au cœur même de l'affrontement. Prends les mecs qui courent.